Bonjour à tous. Merci à Vers de Terre Diffusion de nous donner la parole. Nature Éthique a été fondée par Gilles Martin. Vous voyez que j'ai raison de poser la question quand même. Qui est ici présent, donc en 2000, si je ne me trompe pas, Gilles. Donc sur une idée qui était de travailler au démarrage sur l'air et sur l'eau. Alors dans deux interfaces essentielles, le sol, vous vous doutez bien, et puis sur les animaux. Alors Gilles a un passé industriel, donc c'est un homme de méthode. Il a conduit pendant plusieurs années la ferme de ses parents. Il a créé sur cette ferme une ferme expérimentale pour commencer du semis direct sous couvert dans les années 80. Donc pour lui, c'est une très vieille histoire. Et de travailler aussi sur la partie animale, puisqu'il était dans une ferme de Bresse qui élevait des vaches laitières et puis des volailles. Alors sa première idée était de travailler sur l'air et l'eau, partant du principe que c'était deux composants nécessaires à la vie des sols, quelque part à la vie végétale et puis quelque part à l'état de santé de ces animaux. Et ça a été toujours son fil conducteur. Donc il a énormément travaillé donc, sur une production qui était la production de canards, qui est une production extrêmement sensible. Et puis bien entendu, qui dit canard dit lisier de canard. Donc travailler sur l'air et l'eau, c'est améliorer la qualité de vie des canards, mais c'est améliorer aussi la qualité des effluents d'élevage. Et puis réduire les odeurs tout en améliorant la fertilité des sols. Et puis, bien sûr, il a commencé il y a très très longtemps à prendre conscience qu'il fallait que les sols soient couverts. On imagine bien que dans la Dombe, en Bresse, la tradition est plutôt au labour et au désherbage qu'au semis sous couvert. Et puis donc, il a pris conscience il y a longtemps de la nécessité d'enrichir les sols en carbone et puis de vérifier l'équilibre C/N. Alors, il a créé la société Nature Éthique. C'est un incubateur d'idées donc, qui essaye de chercher des solutions donc pour l'agriculture de demain. Et puis il y a deux filiales qu'il a créées dessous, qui étaient Anaqua. Forcément, si on travaille sur l'eau, donc il a mis au point un concept donc pour avoir de l'eau hydratante, propre, et puis dynamisée, alors aussi bien pour l'activité des sols, des cultures, que pour les animaux. Et puis de l'autre côté, des outils de mesure, puisque finalement on rejoint Conrad. La spécificité chez nous, c'est de mesurer tout ce qui se passe et de mesurer tout ce qui se passe dans les milieux vivants. Alors Simao, c'est une société qui développe des systèmes innovants sur le sexage de l'œuf, sur la qualité du lait, bien sûr la bioélectronique des sols et des plantes, et le bioscope. Alors sur le premier travail qu'a conduit Gilles, puisque c'est un globe-trotteur qui parcourt les terres du monde, reconstruction d'un écosystème dans une ferme au Maroc. Alors en 2011, acquisition d'un terrain, vous voyez, il n'y a pas grand-chose dessus. Il n'y a pas grand-chose dessus depuis des siècles. Et par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'antériorité de ce sol, de chimie ou de quoi que ce soit. Donc vous avez un sol nu, certes, par contre, il n'a pas de passé à gérer. Donc premier travail, chercher de l'eau, avec une condition absolument absolue, ne pas toucher à l'eau fossile. Donc il y a de l'eau à 60-80 mètres. Et en 2012, installation d'un réseau d'eau d'irrigation, installation d'une machine Anaqua avec la silice pour pouvoir commencer à faire quelque chose, faire pousser de la luzerne et de l'orge, donc, et puis avoir des moutons à côté, puisque le démarrage de la revie des sols, c'est d'avoir de la matière organique vivante, et puis récupérer cette matière organique et végétale, sachant que le projet, c'est produire des arbres fruitiers, tout en permettant aux Marocains de travailler, tout en permettant aux Marocains de produire de la viande pour se nourrir, tout en permettant aux Marocains d'avoir de la luzerne et puis d'avoir de l'orge pour eux-mêmes. Donc, porte-greffe-greffon originaire des plantations royales, puisque forcément au Maroc, on ne fait rien sans l'aval du roi, et c'est bien comme ça. Et donc, plantation des premiers plants. Voilà, après 10 mois, voilà à quoi ça ressemble. Donc, les racines s'implantent, il n'y a pas de souci. Voilà en 2014 que devient la plantation. Donc ça, c'est la réserve d'eau qui sert à faire l'irrigation. Et voici en février 2015 où en sont les arbres. En août 2015, donc première fructification, sans forcément récolte, mais première fructification. Et puis voici la première récolte de fruits 2016-2017. Alors, sachant que la phase d'étape donc qui est en cours, je n'ai pas la photo, mais c'est absolument de coloniser tous ces espaces nus pour ne pas du tout laisser l'impact du soleil sur le sol. Alors aujourd'hui, c'est principalement de la luzerne qui pousse dans ces espaces entre les arbres. Et puis donc deux conduites, une conduite avec BRF d'acacia et l'autre sans.
La variante BRF, ben, c'est plus 20% de rendement en 2018, c'est plus 10% de sucre sur les fruits, sachant que cette plantation fonctionne avec zéro engrais, zéro phytosanitaire, hein, puisque c'est strictement interdit. C'est une... Alors, comme nous sommes des gens qui mesurons, bon, je vous expliquerai mon passé de vétérinaire, donc il y a des choses sur lesquelles on travaille depuis très longtemps, sur le melon, que la production d'un anticancéreux majeur, que la superoxyde dismutase. Et donc on a dosé ce qu'il y avait dans ces fruits produits sous cette méthodologie. Puis on se rend compte que la superoxyde dismutase, eh ben, elle est deux fois plus élevée dans l'écorce, dans les parois de ces mandarines, de ces oranges, que dans les conventionnels qui sont dans des plantations traitées. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le taux de vitamine C est beaucoup plus faible, mais finalement on le comprend facilement, puisque si vous avez des fruits qui poussent dans un milieu équilibré, sans stress, sans attaque, sans ce que vous voudrez, ben, la vitamine C est un antioxydant majeur. Et donc, ce qui fait que ben, finalement, le fruit en produit beaucoup moins. Alors, on pourrait peut-être aujourd'hui penser que manger des oranges et puis des mandarines très riches en vitamine C, se poser la question du stress de fruits qu'il y avait derrière. Voilà. Mais quelque part, pour nous, l'antioxydant le plus puissant, bien plus puissant que la vitamine C, cette fameuse superoxyde dismutase, qui aujourd'hui est extraite principalement de la peau de melon. Et la phase 2 du programme, c'est d'installer des polonias, donc c'est des arbres qu'on a implantés l'année dernière, à croissance extrêmement rapide, notre but étant de faire un effet parasol et de protéger les arbres, les cultures, les petits fruits qui sont dessus, de l'impact du soleil. Voilà. Donc voilà ce qu'on est capable finalement de faire, en finalement pas beaucoup de temps, dans un désert qui n'a pas de passé et pas d'antériorité, on va dire. Alors, 5e vet, c'est arrivé un peu plus tard dans la vie de Gilles Martin-Pellet. On devait forcément se rencontrer, ça, c'est pour ce que c'était écrit. Hein. Alors, finalement, lui, ça fait 30 ans qu'il pérégrine. Moi, ça fait 30 ans que je pérégrine de mon côté. Hein. Alors, 5e vet, parce qu'on est vétérinaire. 5e, parce qu'il faut bien travailler une méthode, que je vous expliquerai. Notre idée, donc on a développé ce concept de 99 à 2009. Notre idée était de permettre aux éleveurs de ruminants donc, d'améliorer leur performance technico-économique dans un respect de l'intérêt social et environnemental, de leur permettre de maîtriser la qualité de leur production avec le moins possible, on va dire, de médicaments. Si c'était zéro, ben ça c'est illusoire, mais le moins possible. Et on a s'accordé 10 ans pour construire la méthode, valider la méthode sur le terrain, et puis choisir des outils de mesure un peu partout dans le monde pour faire le travail qu'on avait à faire. Alors moi, mon passé est un passé de vétérinaire, avec 20 ans d'exercice en clientèle, une activité d'enseignement dans les écoles vétérinaires françaises et étrangères, et puis toujours persuadé que de toute façon, c'est totalement impossible de maîtriser la santé des animaux dans les fermes, sachant que je m'occupe que d'herbivores, si on ne maîtrise pas le sol et les plantes. Même si nous, dans notre cursus vétérinaire, cette notion de plante et de sol, vous imaginez bien qu'elle n'est pas enseignée. Alors on a, 2009, vendu quelque part ce concept qu'on a mis au point pendant 10 ans, alors à des associations d'agriculteurs, hein, GDS et des groupements de défense sanitaire, ça s'occupe de l'état de santé des animaux à l'échelle du territoire, de créer une démarche pour les vétérinaires, puisque c'est eux qui maîtrisent la santé dans les élevages. C'est à destination des éleveurs et surtout de leurs animaux, puisque c'est eux, quelque part, notre cible, et à destination des techniciens et des agronomes qui travaillent autour. Parce que la particularité du monde agricole en français, c'est que tout est segmenté, tout est cloisonné, les agronomes d'un côté, les vétérinaires de l'autre, puis finalement, la vache, le mouton, la chèvre ne retrouvent pas ces petits là au milieu. Alors, on a fait évoluer notre méthodologie en 2011, bien qu'on était conscient depuis 30 ans qu'il fallait s'occuper des sols, mais ça ne faisait pas partie de nos packages d'enseignement. Donc, ben, faire de l'auto-formation de notre côté là-dessus. Et puis de se dire que dans les fermes, il fallait mettre finalement en harmonie les sols, les plantes à vocation de nourrir les animaux eux-mêmes, et puis finalement l'agriculteur à l'interface de ces trois milieux. Et on a fait évoluer notre méthode et notre travail vers cette vision dynamique des élevages, sachant que c'est totalement illusoire d'imaginer de gérer chaque secteur dans son coin, puisqu'ils interagissent entre eux. Voilà, alors aujourd'hui, voilà ce qu'on fait. Donc, on fait à peu près 200 journées de formation par an à destination des agriculteurs. Voilà le territoire que l'on couvre. Alors, nous aussi, on va beaucoup dans le sud-ouest, Conrad.
Je suis assez désolé de ce que je vois, on va dire, sur la pratique fourragère des animaux, puis des conséquences qu'il y a sur leur état de santé, mais on voit quand même qu'il y a un mouvement qui se crée. On a une collègue qui s'appelle Chantal Philippe. Donc, elle, son parcours, elle était agricultrice en zone comté. Donc, forcément, elle, les vaches, l'herbe, le comté, le respect des sols, c'est quelque chose qui est dans son référentiel depuis longtemps. Et puis, elle a repris des études d'agroécologie. Et puis, aujourd'hui, elle s'occupe de parcours fourragers sur l'Europe entière. Alors, elle, sa spécialité, c'est l'herbe. Ne lui parlez pas de grande culture, ça lui donne des boutons. Voilà. Alors, on s'est formé sur les sols auprès de gens que vous connaissez tous. Hein. Et puis, quelque part, moi qui travaille sur 13 pays européens, un jour, j'ai rencontré un agriculteur en Suisse. Et puis, il m'a dit, toi, Pierre-Emmanuel, il faut que tu lises ses ouvrages. Alors, comme je suis quelqu'un qui aime bien lire, j'ai lu ses ouvrages. Ça m'a un peu mis la cervelle à l'envers. Et puis, des livres appellent d'autres livres. Alors, j'ai lu des choses sur l'eau, sur les sols, des choses récentes, anciennes. Puis j'ai lu des choses sur la bioélectronique, André Voisin, Rousseau, Bressy, Orszag, Kervran, Lakowski. Je dis, ouais, là, mon pauvre ami, mais à côté de quoi tu es passé depuis tant d'années? Et puis finalement, de chemin en chemin, ben, je me suis dit, il faut t'intéresser à cette bioélectronique. Et puis je suis allé me former avec mon associé Stéphane, et puis Chantal l'année d'après, auprès de Laurence Gallet, qui enseigne la bioélectronique, mais strictement... Donc à usage de la maîtrise et de l'anticipation de la santé humaine. Hein. On est d'accord qu'on ne pratique pas du tout de bioélectronique agricole. Puis elle nous a expliqué pendant ses stages, ben, l'homme malade, l'homme inflammé, l'homme intoxiné, l'homme stressé, de mal se nourrir, de mal s'hydrater. Comment on peut faire pour l'emmener à l'état d'un homme sain, apaisé, ayant à disposition de l'eau de bonne qualité hydratante, une nourriture saine, provenant d'une autre agriculture? Alors c'est sûr que nous, la vision agricole, on l'a, la vision santé humaine peut-être un peu moins. Et puis on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Sorti de là, on s'est dit, on va faire évoluer un peu notre méthode de travail, même si elle était déjà bien avancée. Alors pourquoi 5M? Parce que finalement, on travaille sur les sols, les plantes, les fourrages. On travaille sur les animaux. La première étape est toujours d'interroger l'agriculteur sans préjugé, sans le juger sur ce qu'il fait, ce qu'il croit. Il y a tout son passé, le passé de ses croyances, qu'est-ce qu'il fait sur les sols ou qu'il ne fait pas, qu'est-ce qu'il fait sur les animaux, qu'est-ce qu'il fait sur les plantes fourragères. Aller observer ce qui se passe, donc on n'invente pas ce qui est déjà très bien fait, la méthode érudite sur les sols, la méthode de Gérard Duceffe sur les plantes bio-indicatrices, la méthode Obsalim sur l'alimentation des animaux, il n'y a pas lieu de refaire l'histoire. Notre particularité à nous, c'est de mettre des instruments de mesure là-dessus, parce que c'est bien l'observation, mais quantifier les choses, c'est encore mieux. Voilà, donc on a des méthodes de mesure sur les sols, les plantes, les animaux, dont fait partie le bioélectronimètre, et une phase obligatoire, qui est une phase de précision, c'est d'analyser les sols, d'analyser les fourrages que sont remangés les animaux, et de la biochimie clinique sur les animaux, puisque ça, on a développé ça pendant 20 ans. Et puis la cinquième étape, c'est de la prescription, des recommandations, des conduites à tenir. Après, ma foi, l'agriculteur, c'est un homme responsable, intelligent et entreprenant. Il fait pas, il veut pas. C'est aujourd'hui, c'est dans 6 mois, c'est dans 10 ans, c'est jamais. Peu importe, c'est son choix. Hein. Voilà, alors, sorti de ce stage de bioélectronique, on s'est dit, on va travailler sur les 5 piliers de la santé. C'est ce qu'on va faire cet après-midi avec un groupe d'agriculteurs. Quand on rentre dans une exploitation, que ce soit les sols, les plantes, les animaux et l'homme lui-même, les 5 milliers de la médecine chinoise, c'est 1, s'occuper de l'hydratation. Donc on comprend tout de suite mon intérêt pour travailler avec Gilles, qui est passionné par l'eau. La deuxième, c'est la nutrition. Donc le troisième pilier de la santé, c'est préserver son intégrité physique au cours du temps. C'est principalement une notion acido-basique et macro-minérale. C'est préserver l'environnement au sens de la qualité de l'air. Ça, c'est intimement lié pour les animaux à l'état de fonctionnement de leur système digestif et savoir si ça rote et si ça pétarade un peu trop, si les moteurs sont bien ou mal réglés. Et puis une notion de bien-être, qui est une notion d'oxydoréduction, une notion hormonale. Donc ça, c'est notre fil conducteur dans les fermes, sur les sols, les plantes, les animaux et les humains. Voilà, on s'est formé aussi sur les sols en Suisse. Moi qui suis franco-suisse, je suis de culture, j'avais énormément de formation en Suisse parce que j'aime bien leur approche, hein. Voilà. Et puis finalement 2016, nos chemins sont croisés avec Gilles, puisqu'il fallait que cette composante eau rentre
dans notre schéma de maîtrise des écosystèmes de ferme. Et on a lancé donc le programme Anaqua bioélectronique impédance-métrie dans les élevages de ruminants sur la partie sol, plante et animal. Alors voilà, aujourd'hui on a associé nos compétences ensemble, parce que chacun détient un morceau de l'histoire, et puis on s'associe sur des compétences extérieures, bien entendu. Et puis on a été formé par Olivier Husson, vous avez entendu hier, sur la bioélectronique des sols, et je le remercie de tout ce qu'il nous a apporté. Alors voilà aujourd'hui notre schéma de fonctionnement qui nous permet de finalement d'accompagner l'éleveur dans la restructuration de son écosystème de ferme, partant du principe que pour nous c'est beaucoup plus facile de le faire avec des ruminants que de le faire avec des monogastriques, et c'est beaucoup plus facile de le faire si ce sont des animaux qui sont au pâturage ou avec des dérivés d'herbe. C'est beaucoup plus compliqué quand on veut travailler avec des issues de céréales, puisque on le verra tout à l'heure, malheureusement, ou heureusement, les ruminants ne sont pas faits pour manger des céréales. Voilà. Donc, on le fait par défaut, mais ils ne sont pas faits pour ça. Alors, notre métier aujourd'hui, pour reconstruire les écosystèmes fermes, c'est d'aider les éleveurs à potentialiser leur sol. Alors, les plantes fourragères, hein, ne parlez pas des plantes à vocation de nourrir les hommes. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce qu'on met dans la chaudière des vaches. Et de potentialiser l'eau, ça, je rejoins Conrad. Donc, d'économiser cette eau, savoir l'évacuer quand il y en a trop l'hiver, savoir la retenir quand il n'y en a pas assez l'été, produire de la biomasse à manger le plus longtemps possible au courant de l'année. Et notre métier, c'est d'aider les ruminants à convertir cette biomasse en ressources, foetus, lait, viande, et faire des produits très qualitatifs dans le respect total agro-environnemental. Et là, je rejoins ce qui a été dit par Conrad, finalement, de le mettre en place depuis maintenant presque 20 ans, on produit plus, avec des animaux en meilleure santé, avec moins de pathologies, moins d'antibiotiques, moins de phytosanitaires. Donc c'est bien une agriculture qui est productiviste au bon sens du terme, et ça va bien, plutôt mieux pour tout le monde. Alors, deux exemples pour vous illustrer ça en quelques diapos. Une ferme de la Nièvre, donc, comment le défi, et puis une ferme de Saône-et-Loire, laitière, le défi, comment sortir ces exploitations d'une impasse sanitaire, technique, financière, humaine. Le cahier des charges, ben forcément des exploitations qui sont arrivées à un état de déchéance totale. Ben comment réduire les pertes animales, comment obtenir un maximum d'autonomie alimentaire en achetant le moins possible. Alors une ferme de 3 UTH, 550 hectares avec 80 hectares de culture dans la Nièvre, des parcelles disséminées sur 30-35 km autour de la ferme, 300 vélages de charolaise, 250 veaux malades par an, et ça dure depuis une dizaine d'années. Pas d'autonomie fourragère, malgré la surface. Fourrage de piètre qualité, des graves problèmes de distribution d'eau dans l'exploitation. Alors, utilisation de fumier, oui, mais tout concentré sur 80 hectares de culture de vente, et rien sur les pâtures qui nourrissent les vaches. Et puis, de l'autre côté, une ferme de 4 UTH en Saône-et-Loire, 250 hectares, dont 50 hectares de prairies inondables en bord de Saône, 120 vélages de primochtagne avec un renouvellement à plus de 60%, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, l'aire de lavage jetable, et une mortalité adulte d'environ 20%, 50 vaches salaires pour manger ces prairies inondables, 100 veaux malades par an, des rations dominantes maïs, comme c'est fait beaucoup en Saône-et-Loire, 7 kg de concentré à dominante soja, donc des minéraux des tampons, des fourrages de qualité très moyenne, des problèmes de qualité de disponibilité en eau, et puis bien sûr une agriculture basée sur de la fertilisation azotée, du lisier, avec de graves dysfonctionnements des sols. Alors je ne vous fais pas de dessin si vous regardez les vaches. Donc notre fil conducteur a été forcément de s'occuper de l'eau, puisque c'était un problème d'hydratation de ces animaux, de s'occuper du management des animaux, voilà ce qu'ils étaient il y a quelques années, plus jaunes que blancs, hein. Voilà ce qu'ils sont à peu près devenus, de s'occuper de réduire la part de maïs dans les rations, de ramener de l'herbe de bonne qualité dans leur ration alimentaire, et puis d'orienter le système plutôt pour les vaches charolaises sur un système sec, foin. Bon, ça, c'est ma culture jurassienne qui les a emmenés à ça. Hein. S'occuper de la géobiologie des lieux, de toutes les pollutions électriques, électromagnétiques, géotelluriques et compagnie et tout son train. S'occuper des hommes, puisqu'ils étaient dans un état de détresse important, et puis bien entendu, à un moment donné, s'occuper des sols, au sens de répartir ce fumier de façon un peu équitable, qu'il n'y ait pas le tiers-monde et le quart-monde dans une partie de la ferme, et puis de remettre les vaches au pré avec une utilisation des pâturages pour limiter la compaction des sols, puisque vous imaginez bien que des vaches charolaises, c'est aussi lourd que des autobus.
Voilà, donc on a travaillé l'eau, on a travaillé les animaux, on a travaillé les bâtiments. Je vais passer rapidement là-dessus. Donc, pour essayer d'amener ça donc, à un état d'équilibre. Alors aujourd'hui, c'est 12 veaux malades sur 300 qui naissent. C'est moins 70 000 euros de frais vétérinaires par an. Et puis, c'est plus 80 000 euros d'argent dans la caisse à la fin de l'année. Voilà. Bon, ça ne prend pas 5 minutes. Hein. Ça, c'est le troupeau de vaches étières, c'est la même comédie. Hein. Pour des raisons qui sont un petit peu différentes. Hein. Donc là, c'est réduire la part de maïs. Ça, c'est une certitude. Chez nous, en Suisse, c'est limité à 7 kg de matière sèche. Hein. C'est des lois fédérales. Et heureusement, donc, c'est de réduire la part d'ensilage de maïs dans la ration. Alors forcément, ça mange. Hein. Donc on resème d'autres choses. On remet de l'herbe dans la ferme qui avait oublié d'en faire. On remet les vaches au pâturage, puisqu'elles n'y étaient plus. Et puis on essaie de faire un pâturage dynamique, quelque chose qui ressemble à quelque chose. Alors du maïs, oui, toujours encore, mais fait autrement. Donc ça, c'est les maïs qu'on a fait cette année, hein, avec le système Anaqua. Voilà, des betteraves, puisqu'on a oublié d'en faire, mais dans une rotation, avoir une racine ou un tubercule, c'est fondamental, et fondamental pour les vaches. Elles sont plus faites pour manger des betteraves et des pommes de terre que de l'amidon, de céréales et de maïs, hein, sur le fond. Et puis, bien sûr, s'occuper des sols, changer les techniques de travail. Alors ça, c'est plutôt la partie de Gilles que la mienne. Et puis, la betterave, elle contribue à ça. Et puis, bien entendu, s'occuper toujours de la même chose, du lieu, des hommes, et puis du milieu de vie des vaches. Donc, sur le plan géobiologique et pollution, X ou Y. Alors, c'est le même schéma, de toute façon, on va changer. Hein. C'est notre équipe, c'est notre façon de travailler. Et on arrive à peu près au même résultat aujourd'hui. Les agriculteurs qui, en 5 ans, ont épongé 500 000 euros de dettes. Donc, on a déjà bouché un petit trou. Il en reste encore un peu, mais ça va aller. Alors, les évolutions, forcément, si on commence à travailler sur l'équilibre de santé des animaux, l'équilibre digestif, forcément, ce qui sort à l'échappement, donc pipi-caca, ben, c'est déjà plus équilibré, ça se mesure, il n'y a pas de souci. Ce qui est restitué au sol, ben, ça va fonctionner un petit peu mieux. Après, il y a des techniques culturales à mettre en place. Si on regarde un peu les fourrages, donc nous, on a fait des grilles de lecture rapides pour les agriculteurs, pour qu'ils ne s'y perdent pas dans les chiffres. La première chose qui nous intéresse, nous, c'est de voir l'accumulation des métaux lourds, et puis la conséquence, c'est la diminution des macroéléments qui nous intéressent. Puisque si vous avez ça qui s'accumule dans un sol en mauvaise santé et dans des plantes en mauvaise santé, forcément derrière, vous imaginez que l'état de santé des animaux, c'est compliqué. Voilà, donc ça, c'est les indicateurs, vraiment des troubles minéraux importants dans les fourrages, mais qui sont liés à des dysfonctionnements de la relation sol-plante. Bon, on a encore des problèmes de métaux lourds à régler, hein, faut pas s'imaginer que ce passé va s'effacer comme ça, mais ça s'avance, ça s'améliore d'année en année, tranquillement. Et puis, on arrive maintenant à avoir des fourrages en quantité, en qualité à peu près correcte. Il nous reste un peu cette fraction métaux et minéral à gérer. Bon, ça, c'est l'évolution quand même, malgré tout, des valeurs alimentaires des foins, des valeurs minérales. Les choses s'améliorent tranquillement d'année en année. La courbe de tendance est plutôt à l'amélioration qu'à la détérioration. Si on regarde les animaux, ben, je vois ce qu'ils étaient, ce qu'ils deviennent. Des vaches qui étaient jaunes, ben, elles deviennent blanches. Elles ressemblent à peu près à quelque chose. Elles font quelque chose de leur vie. Elles remercient leurs propriétaires d'avoir pris des bonnes décisions. Je ne suis pas agronome de métier, mais quand on va prendre sa mèche et qu'on va voir ce qui se passe dans le sous-sol des parcelles qui nourrissent les vaches, on voit bien que la texture des sols, ce n'est pas pareil. On voit bien que les nodosités, ce n'est pas pareil. On voit bien qu'on a diminué par 4 l'utilisation d'azote dans les parcelles. On voit bien qu'on est capable de nourrir un peu mieux les animaux. Ça, il n'y a pas photo. Sur notre exploitation de Saône-et-Loire, ben, vous voyez, on a quand même remis beaucoup, beaucoup d'herbes dans cette ration. Alors l'éleveur avait des craintes, je ne produirai jamais assez de biomasse pour mes animaux. Aujourd'hui, on est capable de faire 3 tonnes de matière sèche de plus sur les parcelles d'herbe que sur les parcelles de maïs, avec quelque chose qui est beaucoup plus vertueux pour la planète, et certainement beaucoup plus vertueux pour les animaux, et beaucoup moins coûteux à l'usage. Voilà, donc voilà ce qu'on a fait sur les maïs depuis quelques années. Et donc on a travaillé comme on travaille sur les arbres avec la machine Anaqua pour activer la germination, activer la pousse des plantules et puis amener de la résistance aux maladies des maïs. Voilà, puis nos betteraves qui ont commencé maintenant il y a 2 ans, on va faire la 3e récolte cette année. Alors eux c'est pareil, sur les fourrages, ben, on a une amélioration tranquille, surtout sur les valeurs minérales et les valeurs sur les métaux lourds. Voilà. 2016-2019, bon, forcément,
les instances, comme on travaille pour beaucoup d'associations d'agriculteurs, les instances politiques, sanitaires, nous regardent de loin, viennent aux formations, viennent dans les élevages. Mais nous disent, c'est bien votre truc là, mais il faudrait nous faire une plateforme d'essai. Donc à l'initiative de la DSPP dans le 31, ils nous ont dit, ben, on va vous donner des budgets pour mettre en place un essai grandeur nature. On vous donne 6 fermes, allaitantes, laitières, des fermes en conversion bio, puis vous nous montrez ce que vous savez faire avec les éleveurs. Donc on a mis en place la méthodologie, ça fait la 3e année qu'on y est. Finalement, en 2 ans, c'est moins 75% d'antibiotiques. L'objectif, c'était moins 25. C'est réduction de 10% de la mortalité. Et puis, on nous annonçait qu'on nous redonnait 3 ans pour consolider ces observations. Et puis, on nous donnait des élevages de petits ruminants pour faire la démonstration, puisque quelque part, ça commence un petit peu à exciter les instances nationales. Alors aujourd'hui, on en est arrivé là. Et forcément, nos chemins ne peuvent que se rencontrer avec Vers de Terre Diffusion, puisque c'est la même vision. Forcément, d'un côté, à l'école vétérinaire, on nous a enseigné la médecine, la santé, corriger les troubles de santé. Pendant 20 ans, on a travaillé sur les aspects biochimiques, marqueurs du stress, indicateurs de santé. Forcément, on allait s'occuper des sols, des fourrages. On a essayé de mettre tout ça à l'équilibre. On verra ensemble que la bioélectronique est un instrument intéressant pour quantifier ces équilibres. Et puis finalement, on en arrive à vendre cette ferme-là. Elle est garante de la santé humaine et animale, puisque les animaux sont en bonne santé, les produits qui en sortent sont qualitatifs, vont mettre les gens en bonne santé derrière, c'est lisible pour le consommateur. Il peut rentrer à n'importe quel moment dans la ferme, l'agriculteur n'a pas peur de lui montrer ses sols, ses plantes, ses animaux, il y a lui-même, c'est tout à fait lisible et transparent. C'est une démarche qui est éco-phyto et éco-antibio, puisqu'elle en a fait la preuve, chiffrée. Et c'est une démarche d'agro-santé. Alors forcément, on a décidé avec Gilles de fusionner nos activités, puisque de toute façon, elles sont symbiotiques, entre Nature Éthique, qui est toujours son incubateur d'idées. 5e Vet, son métier, c'est les audits, le suivi c'est le statut d'école, c'est la formation, CIMAO, les diagnostics, l'Anaqua pour l'eau. Puis finalement, la conclusion que je dirais sur la reconstruction des écosystèmes. Du haut de mes 55 ans, je me dis que finalement, partir d'un sol désertique sur plusieurs siècles, sans passif humain, sans passif chimique, sans passif de rien du tout. On n'a pas de contraintes que les contraintes des décisions que nous, on va prendre. On a le financement, on a les plans, l'accord du roi, les gens pour nous accompagner. On y va, finalement, en 7 ans. Finalement, les résultats sont rapides, alors qu'on pourrait penser que sur un désert, ça va être compliqué. Le corollaire, dans une ferme française européenne, avec le passif chimique du sol, le délaissement des prairies, le passif humain et du lieu, le poids des habitudes, les contraintes financières, les contraintes de la PAC, ça va beaucoup plus lentement. Ça vaut le coup de le faire, il n'y a pas de souci, mais il faut être conscient que ça ira beaucoup moins vite que dans un désert, sachant que le chemin restera quand même toujours. Le maître d'œuvre, c'est de s'occuper de l'eau, s'occuper des sols, s'occuper du lieu. Si on a déjà fait ça, à mon avis, on a déjà fait 99% du chemin. Ça peut vous paraître bizarre pour un vétérinaire qui veut maîtriser la santé, de concentrer tous ses efforts sur l'eau, le sol, les plantes et le lieu. Finalement, après, il n'y a plus qu'à ne pas faire de grosses erreurs sur la gestion des ruminants dans leur phase de préparation à l'accouchement, pendant leur phase de lactation, de croissance. Il y a à remettre les vaches au pré là où elles n'y sont pas. Il y a à gérer le pré autrement là où elles y sont. Il y a à recultiver de l'herbe, toujours couvrir ses sols, mettre des métailles, jamais laisser la terre à nu, produire de la biomasse, s'affranchir le plus possible d'achat de matières nutritives extérieures. Et puis, je le répète, réduire la proportion du maïs et du soja dans sa ration, même s'il ne faut pas se mentir, dans des systèmes intensifs, il a sa place à condition d'en réduire la quantité. Voilà, alors notre particularité au final, c'est quoi ? C'est de chercher à comprendre, surtout de mesurer étape par étape ce qui se passe, de quantifier les interactions dynamiques qu'il y a entre les hommes, les animaux, les plantes et les sols, et toujours avoir à l'esprit que vous faites une variation dans la ration des animaux, vous ferez une variation dans ce qui va sortir à l'échappement, et vous ferez une variation dans le sol qui vous engendrera une variation dans la plante, qui réengendrera une variation quand elle reviendra dans le rumen des bovins. Donc, on est obligé de bien de rééduquer les agriculteurs, avoir une vision dynamique, permanente, quotidienne, toute l'année, de ce qui se passe dans leur sol, leurs plantes, leurs animaux et eux-mêmes.
Voilà, puis surtout d'avoir des outils de mesure. Alors, merci à Vers de Terre, merci à Olivier qui est là-bas au fond à gauche, de tout son éclairage qu'il nous a donné sur les sols, puisque ça ne faisait pas partie de mon référentiel à l'école vétérinaire. Et voilà pour la première partie de la restructuration des écosystèmes.